C'est Jordi qui présente aujourd'hui. Waouh, c'est dur ce que vous me demandez. Non mais j'ai envie de faire comme ça, mais c'est un truc de ringard. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la maison. Aujourd'hui je suis avec Brieux, Pierre, Thomas. J'espère que vous allez bien, vous connaissez le concept, on va tourner... J'ai peut-être trop vite, non? Non, c'est bien, c'est bien, c'est dynamique et tout. On va donc comme d'habitude tourner la roue. La personne qui est désignée va devoir prouver son concept et ensuite on joue tous ensemble pour une heure de rigolade. Pourquoi elle explique mieux que nous alors que... J'explique bien, par contre il manquera le fait que sur la roue, il y a Léo, il est pas là, donc ouais. faut annoncer les absents, tout ce qu'on fait avant, revenir un petit peu sur les faits marquants de la semaine, le fait qu'il y a un cadreur aussi qui est tiré au sort, parce que je rappelle qu'il y a un cadreur qui est tiré au sort à chaque vidéo pour nous aider à avoir des images un petit peu dynamiques. Non mais c'est un métier après. C'est un métier. Et tu peux aussi rappeler que tu fites avec Gaël mon fils demain sur une vidéo. Je fite avec Gaël mon fils demain, j'ai son numéro dans mon téléphone. En fait Jordi, je t'explique, on a eu un commentaire la dernière fois qui disait qu'on était trop excluant. Il est où? Je l'ai pas parce vu le commentaire. En fait t'étais sur l'accoudoir. Alors est-ce que tu peux expliquer que c'est une volonté personnelle d'être un peu en dehors. Ouais, j'aime bien d'être sur l'accoudoir. C'est vrai, il y a eu ce commentaire. Ah, il y a eu ce commentaire là, donc voilà. Tu t'assois pas à côté de Thomas, tu restes sur l'accoudoir. Je suis trop proche de Thomas. Et puis surtout, tu voulais montrer que tes chaussettes étaient accordées à ton t-shirt. C'est vrai, Nike, oui. Et avant, il y avait la casquette systématiquement accordée à la tenue. C'est vrai. Et moi, regardez, j'ai accordé ma tasse à mon pantalon de travaux. C'est quoi comme couleur? Ocre? Non, moutarde. Moutarde, ouais. Te dis un mot au hasard là. Une actu? Ouais, en fait, c'est aussi le cas de la maison parce que là, les gens sont très sympas dans les commentaires. On regagne une communauté qui est incroyable. Anaïs Solange est là en puissance. Je dois avouer un truc, alors je sais pas si ça sortira parce qu'on sort avec Thomas. On était avec d'autres personnes, mais toi, t'étais pas là. Ok. On sort du premier tournage de l'histoire de ma chaîne. Ouais. Où on abandonne. Oh non! C'est vrai? Mais c'est du jamais vu, hein. En fait, on a tourné 43 minutes, comme ça. On a abandonné et on l'a assumé à fond. On a dit, voilà, on n'y arrive pas. Peut-être il y aura une suite, peut-être l'an prochain. Peut-être il y aura une suite. Ouais, non, mais en fait... On pourra en reparler si vraiment elle sort pas. Ouais, on la racontera si elle sort pas. Mais je pense qu'il y a moyen qu'elle sorte parce qu'on a quand même bien rigolé pendant 45 minutes. Mais ouais. Pour info, j'ai pas réussi à ouvrir l'œil de la vidéo. 45 minutes, les yeux fermés. C'est un contexte nature qui a pas voulu de nous. J'en dis pas plus. Et là, tu lances un montage quand même ou tu vas réfléchir un petit peu? Je pense qu'on va dérocher, voir ce que ça donne en termes de vannes, d'énergie et tout. Et après, voilà, faut montrer aussi les... C'est les coulisses, hein. J'ai reçu quelques photos, effectivement, sur le tournage. Très, très drôle. Voilà, des petites anecdotes, sinon vous? Toi, tu fites avec Gaël. Ouais, c'est vrai, c'est ma plus grosse actu. C'est déjà pas mal. Thomas, t'as fait des lives, non? Ouais, on a fait un live hier avec Brie. C'est vrai, on a fait. C'est passé comment? C'est les. Manger ensemble? Raconte. Alors, bah, en fait, j'ai demandé. À Brie de m'emmener dans son endroit préféré de Paris. C'est ta coloc? Au cul. Hein? Pardon? Je me suis emballé. C'est pour ça qu'on te met sur la coudoir. Hein. On a fait un petit kebab qu'on a mangé au but de Chaumont, c'était magnifique. Ouais. Qu'est-ce que j'aime Paris? Bah du coup, c'est moi et Brie qui allons au kebab. Devinez combien de personnes aujourd'hui? 8. 100. 100? C'est vrai? Ouais. Après hier, il faisait pas très beau. Ça commence à glorer pas, parce que quand on a fait les queues gagner des millions... C'était un peu moins, ouais. Alors que t'avais vu les moyens. Hein. Ouais, de fou. Là, t'es à l'arrache avec un kebab et un clochard. Moi, j'ai une actu, moi. Ah, waouh, vas-y. J'ai commencé le tufting ce week-end. Oh, le truc du tapis? Oui. Ah, j'ai cru que c'était parié sur des chevaux. Ça, c'est le turfting, ouais. Trop bien. Et c'est vraiment accessible, tu vois. Ok, on a fait le tour. Bah ouais. On a pas à dire. On tourne? Allez. Alors, là, avant de tourner, qui est content de son concept qu'il propose? Pas moi. Moi, j'ai pas que ça tombe sur moi aujourd'hui. Pas tant, mais on peut rigoler. Mais vraiment, j'ai rien inventé. Voilà. Restez en tout cas, ça va être super. Ok, c'est parti. Et Léo, et si ça tombe sur Léo, on l'appelle, on fait quoi? Bah, ça tombe sur Jordi, ça tombe sur Léo. Ça va être brillant. Oh, purée. Wow, c'est passé pas loin du cross. Oh la vache. Mais tu tires si fort, Pierre, la roue, elle va péter. Oh, non. On peut dire ce que tu nous as dit en coulisses ou pas? En fait, là, on est le matin, faut expliquer aux gens. On est le matin, on va passer toute une journée à Maison Grise. En plus de ça, il y a des gens qui viennent pour un autre tournage dans le studio d'à côté qu'on connaît pas. On va faire un devine la couleur. Ah non. Ou teins-toi les cheveux de la couleur que t'as pas deviné la couleur. Drôle, yes. En plus, j'ai les cheveux longs, ça va être super. Alors moi, pour le coup, c'est de la teinture éphémère qui s'en va à la douche. Ok. Mais j'ai évidemment prévenu personne. Vous n'avez pas vos affaires. Enfin, tout le monde va devoir. Ah ouais, non, on est là toute la journée. On a un énorme tournage avec Thomas cet après-midi. Cet après-midi, ouais. Et si jamais vous avez les cheveux d'une couleur, vous pouvez les garder. Le thème, c'est un peu l'horreur, le paranormal. Ah bah, c'est bon. Là, ouais, la particularité de ce jeu, c'est que tout le monde va jouer. On va tous passer une fois. Attends, mais on tire même pas un cadreur qui se fait teindre les cheveux si jamais?
Genre, le cadreur, il joue quand même, mais il y a... Ah oui, on va tirer un cadreur, mais tout le monde joue. Parce que le but, c'est quoi? On peut prendre la cam quand on veut et filmer, c'est ça? Le cadreur, il assure des belles images. Allez! Ah, j'ai jamais cadré, je suis content. T'as pas cadré? Non, jamais. Ah ouais, je vous explique comment ça va se passer. Ça va se passer exactement comme le jeu de la boîte. Jordi et moi, en l'occurrence, on va ouvrir une bombe de peinture de couleur. On va taper cette couleur sur Google et on va te décrire une image qu'on voit sur Google avec ce nom de couleur. Tu peux nous croire, tu peux ne pas nous croire. Mais nous, on doit pas dire le nom de la couleur. Je tape Bordeaux, là, le mot Bordeaux. On va dans Google Images et on décide ou non de décrire. Là, on voit un logo des Girondins de Bordeaux avec des pissenlits. Bon, en l'occurrence, si tu nous crois et que t'as juste, tu ne te peins pas les cheveux. Celui qui perd. Vas-y, ok, c'est marrant. Ok? Ok, c'est marrant. Il a repris trois mécaniques, il a dit qu'est-ce que je fais avec ces trois-là, j'arrive pas à m'en servir sur ma chaîne. Tiens, ferme les yeux. Regarde, hein. M'en fous, moi. C'est l'avantage, c'est que je m'en fous. Donc, moi, c'est une couleur que je connais pas. Je pensais que la bombe. Ah, tu peux y aller? Je peux ouvrir? Oui, tu peux ouvrir. Oui, pardon. Ok. Non, c'est en gros, c'est une pièce. Une piécette, quoi. Une piécette, genre les toilettes, la petite piécette des toilettes. Non, c'est pas des toilettes. Un hall d'entrée. C'est une piécette, quoi. Une petite pièce. Bah, Jordi, t'as quelque chose à ajouter? Y a quoi dans cette pièce? Bah, y a un rideau qui cache les fenêtres. Un rideau qui cache les fenêtres? Ouais, ouais. Et quelle couleur le rideau? Pas ocre. On peut pas trop parler de couleur parce que ça, pour le coup, c'est... D'accord, ok, pas de problème. Y'a des œillets en haut du rideau? Oh, on voit pas... C'est coupé. La photo est un peu de bisu. De bisu? C'est une méridienne. Une méridienne? Je crois. C'est ça le mot. C'est quoi? Une mezzanine? Mezzanine. Non, méridienne. Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais attends, tu sais pas ce que c'est? Une méridienne. Non, tu vois les trucs autour des piscines pour s'allonger, là. Des transats? Ouais. Ça t'aide ou pas? J'ai ma réponse, hein. J'ai ma réponse depuis la première seconde, hein. Bah, n'exagère pas non plus. Brieux, est-ce que tu nous crois ou pas? Oui, je vous crois. Un peu d'indice. Tu nous crois? Ouais. T'es surpris, hein? T'es surpris, hein? Brieux, tu as la bonne réponse. Et tu passes à côté de cheveux verts qui ont été très très bien avec ton t-shirt. Complètement. C'est sur la piécette où je me suis dit, c'était votre réaction après en me disant vous n'êtes pas senti mal. Ouais, il fallait pas que tu parles. Et après, et le truc de en même temps, quand je vous pose la question du rideau, de il est coupé en haut, vous avez dit en même temps. Bah, je me suis dit, c'est fou quand même, la coïncidence est folle. Complicité. Bah non, la preuve que non. Ouais. Si vous essayez. J'ai envie de passer en deuxième là. Vas-y, parce que l'image que t'as choisie, elle est quand même. Ah, mais attention, c'était vraiment que des plantes. Hein. C'est terrible, genre. Hein, vous pouvez ouvrir un autre colis, il y en a plein. Brio, regarde pas trop les couleurs. Hein? Hein? Regarde pas. Ah, bah non, toi t'as déjà joué. Ouais, j'ai déjà joué moi. Je vois l'écran, Jordi. Non, j'ai pas vu, mais je peux voir. Allez! Ça allait être très cool, non? Bah non, du coup, Brio. Ah, ok, je capte ce que tu veux dire. Attends, je vais te laisser choisir, comme ça on va rebooter un petit peu. On va cacher un peu la stratégie. La complicité. Non, vas-y, choisis, je suis nul. Ça te va ça? Ouais. Ok. Bon, Pierre, ce qu'on a sous les yeux, c'est une espèce de montagne de crayons de couleur, avec plein de couleurs. Au fond, il y a une espèce de salle de classe. Je pense que c'est une salle de classe. C'est au premier plan, les crayons? C'est l'amorce. Ok, et après, la classe derrière, elle est floue? Elle est floue, ouais. Tu sais, c'est vraiment l'amorce. Ok, et donc c'est une photo un peu de nature morte, enfin de crayon mort. Crayon mort, ça c'est un enterrement de crayon, tu l'appelles comme tu veux. Ok. Tu veux des détails? Non. Ouais, j'en veux bien. Bah, sinon, le jeu, il est terminé. C'est les crayons de couleur? Ah, Tino, bah Tino, fais comme chez toi. Pourquoi t'interviens? Tu veux jouer avec nous? Ah oui, Tino, s'il te plaît, viens, on te fait les cheveux de couleur. Tu veux pas jouer une fois? Vas-y, ouais, une fois. Oh, si, ça lui ira trop bien en plus. Donc, attends. Donc, Tino, là, il nous décrit une image, on doit savoir si elle est vraie ou faux. Ok, moi je suis très fort à ce jeu-là, je joue tous les dimanches avec ma famille. Et après, si jamais le gâche, tu verras. Ok. Donc, tu veux que je reprenne? On recommence. Il y a une amorce avec des crayons de couleur. Ils sont de plein de couleurs différentes. Ils sont très proches de la caméra. Derrière, je peux pas vous le promettre, mais je pense que c'est une salle de classe ou c'est une espèce de pièce colorée. Partez pas sur la salle de classe parce que je veux pas que vous me le reprochiez après. Mais derrière, il y a une pièce qui est très floue. On est sur une salle de classe. Bah ouais, mais après, les crayons, donc est-ce qu'ils sont tombés un peu au hasard comme quand tu lances des. Ils sont comment? Pourquoi tu parles pas? J'ai peur de me faire griller. Bah dis les couleurs des crayons. Bah c'est tous un peu la même nuance, mais de versions différentes. Et c'est plus des crayons type pastel. C'est pas les crayons papier, quoi. Papier. C'est pas crayon de papier que t'as dit au début? De quoi? Si, mais c'est pas ça. Si, je me suis surpris. Moi, je pense qu'elle est fausse. Moi aussi, je pense qu'elle est fausse. Dès le départ, je l'ai senti. Tu veux montrer? Non. Elle est fausse. Allez! On était bon, non? Ouais, ouais. Par contre, reste tout seul parce qu'il y a tonton maintenant à toi. D'accord. Il nous faut quelqu'un, en fait, qui se teigne les cheveux. Attends, mais raconte pas le gage! Ah merde, pardon! Non, ça va, Tino? Bah ouais. Non, mais t'inquiète. Je voulais juste ranger un enroulé HDMI, normalement. Hein. Vas-y, ferme un peu les yeux, s'il te plaît. Regarde surtout pas. Non, je ferme les yeux, donc je regarde pas. Alors, c'est une personne qui est dans la rue, je dirais, et qui pose un peu pour mettre en valeur, je dirais, des vêtements. D'accord. Dans une rue, mais on sait pas trop où c'est. Ok, très pub, un peu mode. Ouais, un peu ça. Ok, d'accord. Elle a un espèce de bracelet africain, peut-être. Elle a trois bagues aussi sur la main gauche. Très, très précis, d'accord.
Et toi, Pierre ? Sans te dire le nom de la couleur, je pense que c'est une pub pour le short. D'accord. Parce que c'est le short qui est de cette couleur, en gros. Ah putain, focus, il marche pas bien, il focus sur ton bouton, Pierre. Ah bah non, mais ça c'est pour aider. En fait, ça c'est pour aider. Ah, ça. C'est trop chiant, putain. Ouais, non, c'est une aide. Okay, ça en fait, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes de focus parfois sur les vidéos, je me suis dit comment aider l'équipe, quoi. Putain, sympa la tasse en lien avec le... Oui, ocre. Ah, il y a 4 boutons sur le short. Et un sur ma joue. 4 boutons sur un short ? Mais comment tu dis qu'il y a 4 boutons sur un short ? Tu sais, des fois, tu as ton pantalon, tu fermes avec des petits boutons. Là, c'est exactement c'est ça. C'est vrai, ouais. Moi, je pense que cette image, elle est vraie. Personne va se teindre les cheveux, là. T'es bien conscient. Mon Dieu, mon Dieu. Elle est vraie. Yes ! Oh là là ! Elle est vraie. On s'est bien débrouillé, non ? On avait une bonne complicité et tout. Ouais. C'était très précis, quand même. Surtout les 4 boutons. Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit faux. Ouais, moi aussi, j'aimais bien. D'être hyper précis. Parce que quand tu mens, t'es précis. Vraiment, tous les dimanches, quoi. Ouais. Bah Tino, tu peux y aller. Je peux aller ranger l'enrouleur du coup. Très bien, parfait. Ça aurait été drôle qu'il ressorte et qu'il ait les cheveux... Avec les cheveux de la couleur de tes ongles. Ah oui. En plus, ça a été très bien la couleur, merde. C'était super. Ouais, il y a Thomas Jordi encore. Mais ça va tomber sur moi, c'est sûr. Allez, je suis parti. D'assaut, j'ai une chance sur deux. Je suis trop nul. Tu vas chercher un cadreur à la base. Non, une couleur stylée si jamais pour moi. Oh, vert, ça va être trop stylé. Orange, sur Orange, j'aime bien orange. Tu peux fermer les yeux s'il te plaît, j'ai demandé un choix à mes compères. Non, mais je sais que vous allez faire un truc. Attends, pas jaune, j'aime pas jaune. Pas noir, hein, purée, j'ai un rendez-vous à 14h30. Non ? T'as un rendez-vous à quelle heure aujourd'hui ? 14h30. Ah ouais, 14h30. Je peux ouvrir les yeux ? C'est bon. Ah. Bonjour. Ça va servir à rien, tu peux. Moi, je laisse Bruno commencer parce que c'est lui, il est plus stratège, il joue aux échecs. Bah, c'est le premier qui choisit s'il ment ou il dit la vérité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est drôle, il est le monsieur. Donc, on est au tout dernier étage d'un bâtiment. Je pense que le bâtiment, il n'est pas encore fini, je suis même assez sûr. Il y a plusieurs personnes, mais il y a une seule personne qui regarde la caméra au centre. Ce gars-là, il est juste à côté d'une bétonnière. Elle est plutôt neuve, je dirais. Je te laisse décrire le monsieur, toi. Il est en bas. Non, physiquement, on connaît pas. Ah, ça m'énerve, c'est impossible de savoir, vous mentez trop bien les gens. Le monsieur, Pierre. 2-3 infos. Non, mais en gros, il regarde la caméra. Le mec, il assume la photo. Tu vois, un peu comme... Mais c'était quoi le projet de la photo ? Pour un magazine ? Non, je pense que c'est plus une scène de travail, de vie, et pour montrer un peu les conditions de travail. Ça a l'air, sans aller dans le cliché, les toits un peu Amérique latine, c'est un peu... tout est un peu défoncé. Travaille pas dans un quartier aisé. Il est habillé comment ? À peu près comme ça. À peu de choses près, hein. Non, parce que c'est... Non, il est pas habillé comme ça. Bah, il y en a un qui ment et qui dit la vérité, du non, coup. Non, mais il est pas habillé comme ça, moi, je suis stylé. Ok, d'accord. Mais il est stylé à... Il est... Je sais bien ce que t'en penses. Il est stylé à sa façon. Ok, je pense que vous me dites la vérité. On laisse une dernière chance pour changer. Là, vous êtes en train de vous foutre de moi. Allez, j'ai perdu. Jordi. Je vais me faire teindre les cheveux. L'image est un short. Non. Allez. C'était sûr, j'avais une chance sur deux, c'était sûr. Donc c'est Rose Fio. Ah, vous êtes sympa. Pour aller avec mes ongles. Enfin, genre, après, attention. C'est sympa. Quoi qu'il, je suis pas hyper contente. Mais... Ça, attends, t'en pousses. Ça s'en va dans combien de temps ? En lavage. Temporaire pour étonner vos amis avec un nouveau look. S'enlève en 4-5 shampoings. 4-5 shampoings ? Perte de cheveux possible. Non, c'est faux. Non, mais c'est bon, je te crois pas. Je te crois plus. Non, mais je crois que ça part direct. Ok. Mais t'étonnes pas au moment. Faites pas trop sur mon crâne ou quoi. Hein. Ah ! Attendez, je vais bouchonner. Vas-y, franchement. Oh, en vrai, c'est joli. Ça rend vraiment bien. Mais c'est beaucoup la pierre. Ah mais c'est... En vrai, il y a quasiment rien qui sort. Ouais, sûr, en vrai ça va. Mais il fait un dessin ou il fait... Les racines, c'est horrible, ça va jamais partir. En vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Non, bah non. Léo, il aurait eu le crâne bleu. C'est pour ça que j'avais pris aussi une bombe châtain. Attends, est-ce que tu peux faire ça avec tes cheveux, genre... Parce que j'ai peur de te peindre le cou. Yes, excellent, bonne idée. Ça me paraît beaucoup. Ok, il y a mon bras avec. Tu veux que je fasse de l'autre côté, moi, Pierre ? Ouais. Bouge pas, Jordi. Non, tousse pas parce que tu bouges. Bah attends, on dirait Dua Lipa. Mais ouais, de fou. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus fluo dégueulasse. En vrai, c'est pas si mal ce que vous m'avez fait. J'ai presque envie de le faire. Bravo. T'en penses quoi ? Bah moi j'aime beaucoup, hein. Oh, l'odeur ! Bon bah merci la team, hein. Bah de rien. Pas besoin d'aller chez coiffeur, du coup. On facture pas. Ah, sympa. Prestation gratos. Merci pour la presta. Bon, à tôt, hein. Jusqu'au bout. Je vous mets la cam, je regarde pas. Vous faites rire. C'est bon ? Attends. Vas-y, tape juste sur Google. Celle-là, là ? Ouais. Donc là, faut que je devine la couleur. T'aimes bien celle-là ? Ouais, c'est bien ça. Attends, montre à la cam, tu regardes pas tôt ? On sera bien assorti, Thomas. Je pense que c'est une femme qui est dans la rue avec un t-shirt. Un t-shirt qui sort de ce qui semble être un short ou un pantalon. Elle a un bracelet qui est rouge et jaune et avec un peu de vert. Ok. Quelqu'un qui a l'air très charmant d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, t'aimerais bien lui parler et t'aimerais bien passer un moment, enfin, surtout toi je pense, passer un moment avec elle.
Pourquoi ? Non, mais toi, parce qu'on en a parlé hier et tu me disais, enfin bref. Quoi ? Vas-y, décrivez, vous décrivez. Ouais, on a l'impression de mouvement. Genre, elle court. Mais non, je pense pas courir, je marche un peu. On tape la pause. Haletante, ouais. Si, détail important, on voit pas son visage. Ah, détail important. Moi, je pense que c'est vrai, mais je sais pas si j'ai envie de me faire teindre les cheveux et dire faux du coup. C'est pas le concept. Brieux, je crois que t'aimes bien mentir. Vas-y, je dis faux quand même. Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux ? Ouais. Tu veux changer d'avis ou pas ? Non. Sûr ? Sûr. Tiens, Jordan, montre si tu veux. Bienvenue au club ! Oui, du rose ! On est retombé sur une autre rose fluo. Oh non, les bâtards ! Et on s'est dit, ça se trouve, elle est beaucoup plus efficace. Oh ouais. Donc, celle-là, c'est 8 shampoings. Oh, moi aussi, je veux faire. J'espère qu'elle est rose, vraiment. Ah ouais, en plus, ton dégradé, je pense qu'il va prendre. Oh, le dégradé. Ah, en fait, ça fait un peu la même chose. C'est hein. Un peu le même truc, ouais. Mais parce qu'il a les cheveux foncés. Là, c'est à même la peau, Thomas. Bah ouais, ça, j'ai pas trop proche, faut pas que ça me brûle. Toi, t'as rien aujourd'hui, Thomas ? Si, j'ai un tournage. Ah oui, c'est vrai. T'as des beaux cheveux, hein. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que tous les quoi. Tous les coiffeurs me le disent. Allez, on est parti. Surtout devant. Surtout là également. Vous pouvez descendre un peu plus bas là, non? Ah oui, t'as raison. Petit cheveu là. Attends, regarde. Attends, non, mais là, c'est notre couleur là. Là, je sens que c'est notre couleur. En plus, c'est une couleur que tu vas préférer. Oh, derrière, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est pas rose, hein. Je peux le faire ça? Ah bah, je t'en prie, vas-y. Non, mais c'était stylé, je pense. Non. Attends, je te fais juste un relief là. Ah non. Oh, waouh. Le vert, c'est moche, hein. Du vert avec du rose et du bleu. J'ai mis du bleu. Mais c'est pour les Jeux Olympiques. Non, on dirait Julien Granel. Exactement, Julien Granel. Oui, c'est notre inspi. Oh, ça, c'est. En vrai. C'était la meilleure couleur. On a un peu foiré les côtés, mais sinon c'est beau. Ah ouais. Non, bah excusez-moi, mais là il n'y a pas de cheveux en fait. Ah ouais, vous m'avez mis sur la barbe là. En vrai, c'est pas si mal hein. Je pense sur une autre planète on risque le bad buzz. En vrai, ça va hein. Il n'y a aucun sens. Oh putain. C'est le vert qu'on aurait dû faire. En vrai, c'est le vert qu'on aurait dû faire. Le vert il. Ah j'avoue, ouais, le vert. Franchement, c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu, t'as vu. On peut faire un deuxième tour pour briller. Hein. Allez, on fait un deuxième tour. Allez. Allez, après on finit la vidéo. Si, après on finit la vidéo. Ouais, voilà. Ouais. Juste un deuxième tour pour briller. Allez, brille. Je te l'annonce, c'est pour le vert. On tape vert quoi qu'il en soit. Ok. Parce que là, c'est pour la teinture verte, on va pas te le cacher, c'est la meilleure. Alors, je vois. Attends. Ah, pardon. C'est très. Très brilleux. Je peux commencer ? Bah, je t'en supplie. On est dans une espèce de jungle, ok, avec plein d'animaux. C'est un dessin pour enfants plutôt. Non, mais c'est pas une vraie jungle, c'est un dessin pour enfants. T'es d'accord avec Thomas quand même ? C'est, bien sûr, puisqu'on dit la vérité. Non, c'est une jungle avec des animaux. Tu pourrais les nommer toi, Jordax, par exemple, les animaux ? Alors, il y a un tigre, ça c'est évident, un serpent, un gorille, ça je sais pas ce que c'est. Et c'est tout, ils sont que quatre. Ok, un tigre, un serpent, un gorille, un autre, tu sais pas ce que c'est ? Non. Je pense que c'est vrai. Là, je me suis mis un peu de votre point de vue et c'est hyper dur de bluffer, c'est plus dur que ce que ça en a l'air. Et là, je pense que je me suis dit, pour la dernière, on sécurise, on dit un truc vrai. Ah, oui. Ah, je pensais que tu nous avais cramé brimé à 10 minutes. Plein d'animaux, t'en cites 3. Allez. La bombe verte. Allez, la verte, elle va être incroyable. Attends, tu me dis, hein. Bah, il a même pas fini. Mais Pierre, va doucement. Tu me dis, hein. Oh, le Joker. En vrai, ça te va bien. Je crois que t'es destiné à avoir les cheveux verts. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, quand même. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. L'oreille, c'est bon. Attends, non, faut finir. C'est pas fini, Brie. Tu l'as fait dans les oreilles. Ça se verra pas avec le cérubène. Ça fait jaune et vert. Quoi, c'est pas mal, non? C'est trop moche. Et alors, en plus c'est pas fini, là, ouais. Mais bah... on n'est pas allé au bout. Sinon, ce serait stylé. Non, c'est pas stylé. C'est super, super moche. Ça va super bien. T'as trouvé ta couleur. Mec, on va être stylé, là, pour la vidéo de lui. Bravo, Pierre. Non, bah, pas bravo, Pierre. Et quoi? Bravo, Pierre. Non, ouais, ça te va bien. En plus, vous avez pas d'affaire de douche, hein. Pas de douche, là-bas. Putain, merde, on t'en a foutu sur le t-shirt. Non, c'est mon verre à moi, ça. Si, si, mais même quand on a atteint Jordi et Simon, t'en a foutu partout. Pardon, la prochaine fois, on fait gaffe. Messieurs, dames, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Soyez évidemment en feu dans les commentaires, on lit tout et on réagit. À la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.